Amateur d'apprentissage de la conduite. Bonjour à vous tous. Là, tout simplement, je vais vous montrer aussi, lorsqu'on parle d'air conditionné, ce sera toujours ce symbole-ci. A et C. OK? Donc là, vous aurez de l'air conditionné. Alors, vous avez aussi toujours des symboles répétitifs. D'accord? Dans chaque véhicule, peu importe. Lorsque vous voulez retirer la buée, par exemple, à l'avant ou à l'arrière, ce sera ceci, ce symbole-là. OK? N'oubliez pas. Et lorsque, par exemple, vous voulez tout simplement diriger l'air vers votre visage, votre corps, vous avez ici ces différents symboles qui seront d'application dans toutes les voitures. D'accord? Vous avez aussi parfois des symboles de ventilateur comme ceci, tout simplement pour pouvoir augmenter ou diminuer. Alors pour la température chaud, froid, ce sera toujours le même symbole de couleur. Vous avez aussi ce cadenas tout simplement pour les fermetures de portes ou l'ouverture de portes. Donc voilà, ici je vous donne tout simplement des simples explications pour des véhicules qui ont toujours des symboles maintenant qui deviennent souvent récurrents. Vous avez souvent aussi dans les voitures ces tableaux de bord à ne pas confondre. Vous avez donc la représentation ici, vous le voyez bien devant vous, une représentation tout simplement pour la jauge d'essence, pour la limitation de vitesse, la vitesse à laquelle vous allez circuler, ce sera indiqué ici. Et ici, les régimes moteurs, tout simplement, lorsque vous allez changer de vitesse, n'oubliez pas que l'aiguille doit être toujours entre 2 et 3. À bon entendeur, n'hésitez pas de vous abonner. Bonne journée à vous tous.